La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. J'ai écouté avec effroi le discours de Véry Châtillon sur la jeunesse de Gabriel Bardella. En trois quarts d'heure, vous n'avez pas été fichu de verbaliser clairement le principe de la justice des enfants, la primauté de l'éducatif sur le répressif. Et pour cause, après la loi Asile-Immigration, c'est à nouveau un copier-coller du programme du Rassemblement National. Culpabilisation des parents, répression accentuée des enfants, couvre-feu à tout va, uniforme, internat et j'en passe. Les drames récents de Viry-Châtillon ou encore de Châteauroux ont bouleversé tout le pays. Je suis sûr que la représentation nationale tout entière apporte sa solidarité aux victimes et à leurs proches. Et c'est parce que l'émotion est vive que nous avons la responsabilité de regarder la problématique telle qu'elle est et non telle que vous la fantasmez dans un objectif bassement démagogique et électoraliste. Non, on ne doit pas faire la guerre aux enfants en conflit avec la loi, comme vous le dites. Votre discours, Monsieur Gabriel Bardella, déplore une situation désastreuse. Mais cette situation, c'est d'abord l'échec de votre politique. Je vous rappelle que vous êtes au pouvoir depuis 7 ans tout de même. De plus, soutenir que les jeunes seraient de plus en plus violents est un postulat démenti par toutes les études scientifiques et les chiffres de vos ministères. En revanche, vous passez sous silence une augmentation alarmante des actes de violence subis par les mineurs. Les jeunes vont mal, la santé mentale se dégrade. Votre gouvernement, avec des moyens historiques, n'a jamais mis l'accent sur la prévention primaire. Les moyens des PMI, des clubs de prévention sont tous en baisse. Au sein de l'éducation nationale, vous avez supprimé 1100 postes d'assistants d'éducation. La PJJ 93 a alerté la semaine dernière sur le manque de moyens. Et il est où le ministre de la Justice qui, face à Madame Le Pen, disait ici même « Le répressif avec les gamins, ça ne marche pas ». Désormais, ce serait donc pour Gabriel Vador la République contre-attaque. Non, une société qui condamne l'avenir de ses enfants en conflit avec la loi condamne son propre avenir. Monsieur Bernalicis, je vous remercie lorsque vous intervenez, que vous posez une question et que vous parlez du Premier ministre de respecter sa fonction et sa personne. C'est la moindre des choses dans cet hémicycle. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Hugo Bernalicis. Vous voyez, vos questions... Vous n'auriez pas souvent la parole, alors, hein ? Allez, on va vous répondre le plus vite possible, voilà. Savez-vous, monsieur Hugo Bernalicis, de combien les renforts de la PJJ ont été augmentés depuis 2017 ? De 681 emplois. Savez-vous, monsieur Bernalicis, de combien le budget de la protection judiciaire de la jeunesse a augmenté depuis 2017 ? 88%. Mais vous ne connaissez pas ces chiffres. Vous savez pourquoi, M. Bernalicis ? Parce que vous n'avez voté aucun des moyens supplémentaires. Quatre budgets de la mission justice qui ont tous été votés, pas une voix de votre part. Pas davantage, d'ailleurs, que la loi de programmation. Comme, d'ailleurs, vous n'avez pas voté le Code de justice pénale des mineurs qui prévoit une césure très utile, condamnation, puis quantum de la peine, et entre les deux, de l'éducatif pour que le jeune soit suivi et qu'il indemnise les victimes. Vous êtes toujours dans le nihilisme le plus absolu, monsieur Hugo Bernalicis. Et moi, les mesures du Premier ministre Gabriel Attal, je les approuve. Merci beaucoup, monsieur le garde des Sceaux.